Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Stéphie tout simplement et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto maquillage. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps qui montrait comment réaliser ce ponytail, je vous la mets en barre de description, vous pouvez aller consulter. C'est une vidéo rapide qui vous permet en maximum 30 minutes de réaliser une coiffure comme ceci. Voilà, quand je dis maximum 30 minutes, c'est sans compter le temps de lisser le gel posé. Donc, cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, je vais essayer juste de zoomer un tout petit peu pour qu'on puisse bien voir ce que je vais faire. Voilà. Ça va être un tout petit peu long parce que je pense que je vais essayer de vous présenter les produits que j'utilise. Comme ça, pour les prochaines vidéos que je ferai, je prendrai plus trop de temps à présenter les produits, sauf si ils ont changé. Donc on va commencer. Moi, pour commencer, vous avez vu, j'ai juste lavé mon visage, j'ai appliqué ma crème de jour et j'ai mis du Labello sur mes lèvres. Donc pour le moment, je n'ai rien d'autre sur mon visage. Donc un pinceau qui a deux embouts, un embout goupillon et un embout biseauté comme ceci. Donc premièrement, surtout n'hésitez pas à prendre votre temps si vous n'êtes pas habitué à le faire. Donc c'est assez simple, on commence par le bas, on dessine, ensuite on passe au haut, on dessine et après lorsque c'est fait, on remplit. Devant et ensuite je vais venir brosser. Et en fait c'est comme ça que je fais mes sourcils quotidiennement, sauf que quand je fais des make-up plus approfondis, j'aime bien mettre un tout petit peu du crayon noir. Exactement ma carnation et puis il y en a un qui est un tout petit peu plus clair. Donc je mélange les deux pour avoir un résultat juste un tout petit peu plus clair. Comme ça et je vais juste venir nettoyer. Moi je n'aime pas trop avoir un anti-teint trop clair sur mes sourcils parce que généralement je ne mets pas de fond de teint. Donc si mettre la base de chez NYX. Bon, moi la base j'aime bien l'appliquer avec mes doigts, ne me demandez pas pourquoi. Ok. Donc maintenant que j'ai fini, on va passer à la palette. Donc c'est la palette Masquerade. Je vais vous montrer. Elle est là. Cette palette là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je pense que la seule chose qui manque dans cette palette là, ça aurait été une couleur noire pour pouvoir faire des smokies. Mais c'est pas grave. Donc pour commencer, je vais commencer avec cette couleur-ci, celle-là. C'est une couleur un tout petit peu terre que je vais appliquer au niveau du creux extérieur et aussi un peu à l'intérieur. Voilà. C'est archi pigmenté. Donc lorsque j'ai fini d'appliquer celui-là, je vais prendre celui-ci. Vous voyez ça? Vous verrez la palette Morphe et tout ce qui va m'intéresser c'est juste ce fard noir. J'aime bien cette couleur là parce qu'elle est vraiment comme ma peau.
poussine et je vais remettre de la base. En fait, je fais ça pour que le fard soit beaucoup plus pigmenté. Donc, et comme j'ai dit, je vais utiliser de celui-là et celui-là. Je vais commencer par celui-là. Oh là 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 là, vous voyez ça? Et je vais m'arrêter là. Suivante, celle-ci, oh là là, et je commence à appliquer à partir de là. Donc je mets principalement sur ma zone T parce que je n'ai pas un vinaigre. Ce que je mets comme fond de teint, c'est MAC plus numéro 7. Après, vous pouvez aussi mettre un correcteur au niveau des zones sombres ici pour éclaircir, mais moi pour des maquillages comme simples comme ceci, je ne mets pas de correcteur. Bien l'anti-sensé, il a beaucoup de souffrance. J'utilise la sacha. Voilà, maintenant que j'ai fini de faire mon contouring, je vais retirer toute la poudre là. Ensuite, je vais prendre la poudre de chez Sephora pour mettre sur le reste de mon visage et matifier.
mais principalement partout où il n'y a pas eu de baking ni rien. Ce qui me reste à mettre, c'est le blush, le highlight et faire mes lèvres rapidement. J'ai souri, ils appellent juste un tout petit peu. Moi, j'aime pas beaucoup. Pas à mon moment préféré, mon highlighter que je viens juste de casser là. Mais c'est pas grave, je le prends. L'highlighter, n'en mettez pas beaucoup d'un coup. Mettez juste un tout petit peu et rajoutez au fur et à mesure. On n'est pas des peintures, on en met un tout petit peu. De la bouche, juste un tout petit peu. J'ai presque fini, il faut juste que je mette mon mascara. C'est un mascara de chez Kiko. Mes fameuses lèvres dont la plupart des personnes qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat sont Asie. Déjà, si vous ne me suivez pas sur Instagram ni sur Snapchat, allez-y, je vous laisse les liens quelque part là. Ce que je mets sur mes lèvres, c'est de chez Sephora. J'ai un crayon qui est là, ce genre de crayon qu'on tourne là. Et j'ai un lip gloss, donc je commence par le crayon. Je fais le contour, donc j'ai juste fait le contour. Le contour est terminé, très simple. Je fais ça et je rajoute le lip gloss au milieu. Et le lip gloss, voilà, mon make-up est officiellement terminé. Bien sûr, on fixe le tout. Ok, nous voici donc au terme de cette vidéo. J'espère que le tuto vous a plu. J'espère que aussi le make-up vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser des commentaires si vous voulez d'autres vidéos similaires. Un gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!